Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite des reliques sur Crash Bandicoot and Sane Trilogy sur PlayStation 4. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le niveau Stormy Ascent. C'est parti. Alors, ce niveau, j'ai envie de dire, voilà, vous connaissez bien, hein, pour ceux qui ont fait le jeu. Voilà, ce niveau qui a été retiré parce qu'il était jugé trop difficile. La preuve. LOL, je commence bien, dis donc. Mon dieu. Alors, si je meurs au bout de 17 secondes, on est bien, les mecs. Oh, on est bon, là. On est bon. C'est moi qui vous le dis. Ah, et encore une fois, je suis pas dans le bon timing. Ça m'énerve aussi, ça. J'ai pas le timing, là. J'ai pas le timing, les gars. Car je reprécise pour ceux qui ne savent pas forcément, mais pas la platine, mais l'or est à 5 minutes chrono, donc c'est pas forcément évident. Sachant que la platine c'est 3 minutes, hein. Je me vois pas faire ce niveau en 3 minutes, les gars, hein. Franchement, je vous le dis. Ah, j'avais pas le bon timing, j'avais pas monté. Nom de Dieu. En tout cas, j'étais très content quand j'avais fait ce niveau la première fois en moins de 5 minutes et que j'avais eu l'or direct. J'étais très très fier de moi, hein. Mais pour ça, j'ai dû m'arracher quand même quelques écailles. LOL. LOL. Non, parce que ce niveau... quand je l'avais fait... Je vous jure qu'en plus, quand je l'avais fini, je me suis dit... Je le fais une fois, je le fais pas deux fois. Mais voyez quand même ce que vous me forcez à me faire, les gars. Vous voyez, hein. Vous me forcez à me faire ce niveau en relique une deuxième fois. Vous devriez avoir honte, les mecs. Vous devriez avoir honte, c'est moi qui vous le dis. Mais ayez honte de vous, les gars. Parce que je sais parfaitement déjà une que j'aurais jamais la platine, tandis que je fais des conneries, mais c'est pas grave. Ah là 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 là. Mais vous voyez ce que vous me forcez à faire, les mecs. Vous le voyez. Vous le voyez, les gars, vous le voyez. Alors ici, voilà, on peut sauter direct là. Et si je préfère attendre un peu, voilà. Là, il faut bien jauger les escaliers, hein, surtout. Ah, oh, dommage. Bon, c'est pas grave. Là, je vous dis, franchement, je prends un peu mon temps, hein, parce que franchement, je tiens pas... Voilà, même si je le fais en... 4,59, je m'en fous, je le prends 4 minutes 59, j'en ai rien à foutre. Non, là il faut descendre ici, voilà, très bien. Là il faut regarder le mec ce qu'il fait. Voilà, il balance une seule sur deux. Et si vous passez là, vous montez. Voilà, impeccable. Là pareil, vous remontez ici. Voilà, ici c'est speed à gogo, les gars, voilà. Oh putain, non, je préfère attendre là. Parce que là, si je me foire, c'est la fin. Hein. Voilà. Non, allez, on essaie de le faire quand même en first try. Oh putain! Oh la vache! Allez, vas-y, monte. J'ai la trouille, les gars. Je vous le dis franchement, j'ai la trouille. Non. Maintenant. Ok. Alors là, attention. Voilà. Faut le sentir, hein, faut le sentir. Si vous le sentez pas, n'y allez pas, hein, les gars. C'est moi qui vous le dis. Non, putain, je n'ai pas senti non plus là. Alors là, le problème c'est que là je vais perdre masse temps parce que là l'oiseau il va mettre je ne sais combien de temps à revenir. Et là c'est le gros problème pour moi. Là je vais perdre énormément de temps. Là. Bon là déjà, vous le voyez façon de vous-même. La platine, je l'aurai pas. Hein. Là je vous dis franchement, là maintenant je vais essayer de faire ce niveau comme je l'ai dit en moins de 5 minutes chrono pour vous montrer quand même ce que je peux faire. Alors les piafs, et voilà les mecs. Bon, faut on avance, et voilà les mecs, 3,52 les gars. Putain, j'ai fait quasiment 30 secondes de moins, mais je suis content les gars, je suis content.
Oh la vache. Et non, 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 plus jamais les gars. Plus jamais je fais ce niveau. Plus jamais. Là j'arrête. Voilà, 3,52. C'est déjà énorme pour moi. Je ne ferai pas mieux. Ouais, sachant que vous voyez, la relique c'est 3,10. Ah oui, non, c'était 4,30 là. Alors je pensais que c'était 5 minutes, mais non, c'était 4,30. Voilà, et 3,10 la platine. Mais franchement, 3,52 pour moi c'est excellent. C'est même très bien et c'est parfait. Voilà, allez, on s'arrête là donc pour cette vidéo donc sur la relique de Stormy Ascent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et pour la prochaine fois, bah là comme j'ai fait maintenant toutes les reliques du jeu Crash Bandicoot 1, et bien prochainement, je ne sais pas quand, je pense que là je vais me faire une petite pause quand même. Et puis un petit peu plus tard arrivera ben, prochainement les reliques de Crash Bandicoot 2. Et en attendant, bah moi je vous dis. À la prochaine tout le monde.